Salut, c'est Fatal Ordi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Monado. Alors cette vidéo fait suite à la précédente vidéo, donc qui était basée sur comment farmer dans Monado. Je vous avais mis un petit bonus pour voir la culotte de Melia. Et donc voilà, je me suis dit mais pourquoi pas faire la même chose avec Fiora. Cette vidéo a un côté un petit peu pervers, hein, mais j'assume totalement, c'est dans le jeu, donc mais ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est pas ma faute, hein, c'est le jeu. Voilà, donc comment bien habiller Fiora, alors j'ai pas encore décidé du titre, on verra. Alors on peut tout d'abord lui retirer ses vêtements. Alors je sais même pas ce que je vais vous montrer, hein. Là vraiment c'est de l'impro total. Attends, merde, je me suis trompé, voilà. Donc ça lui fait un truc bleu comme ça. Elle a des sous-vêtements bleus, avec des chaussures bleues dégueulasses. Et il se trouve qu'on peut lui donner l'armure bikini qu'on peut acheter. Alors il y a plusieurs armures bikini. Les plus connues, ce sont les satinées, puisque ce sont les meilleures du jeu. Enfin, même si elles sont pas si excellentes que ça, hein, c'est vraiment du fanservice. Mais il se trouve qu'elles ont la même couleur que celle qu'on peut trouver au tout début du jeu, rien qu'en parlant aux marchands. Qui sont les... je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, haut de bikini, ici. Qui sont en plus gemmés avec des gemmes PV, donc ça peut être intéressant. Voilà, et le bas de bikini. Et donc, sur Fiora, ça fait des... Le bikini prend une couleur noire. Donc c'est l'armure que je portais au début de la vidéo. Voilà. Au passage, vous remarquez que ça change la couleur du petit pendentif qu'elle a sur la poitrine. Je crois qu'il était rouge ou jaune, je sais plus, lorsqu'elle ne portait rien. Et là, il est passé améthyste. Voilà. Et donc, moi, je me suis permis de lui rajouter les bottes Lancelot, parce que déjà, ce sont des bonnes bottes, en niveau armure, je parle. Et puis, ça lui rajoute des collants noirs. Du coup, voilà, pour ceux qui sont fétichistes et qui aiment bien les collants, ben voilà, ça peut leur faire plaisir. Voilà, donc, la Fiora en mode ultra sexy. Mais il y a un autre set d'armure qui est différent, c'est le set charmant, je crois que ça s'appelle, qui met plus en avant le côté mignon de la chose, plus coloré. Donc on va aller le récupérer, mais tout d'abord je voulais vous montrer quelque chose. C'est bonus, hein, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Vous voyez ce tableau, donc là on est dans la maison de Dunban et Fiora. D'ailleurs vous voyez que j'en suis au tout début du jeu, hein, notre ami Dunban est encore là. Alors déjà, vous pouvez voir que ici sur les étagères, vous voyez le... Zut. Vous voyez la collection de sabres de Dunban, regardez. Non, pas là. Ici. Voilà tous les sabres de Dunban. C'est assez marrant. Alors là, vous voyez, on a un tableau. Ce tableau, alors je veux... Je sais pas, j'avance quelque chose, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Mais vous voyez, on voit que c'est très vert. On voit une espèce de tour et j'ai l'impression que c'est l'épaule de Bionis. Vous savez, la zone cachée, la zone qui n'a pas été implémentée dans le jeu, ça me fait penser à ça. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, si vous vous souvenez de cette espèce de gros bâtiment blanc immense, une sorte de palais avec une tour blanche. Et on savait pas trop ce que c'était, mais ça ressemble vachement à ce tableau. Tandis que l'autre qui est là, bon ça c'est plus facile... Vous voyez simplement une étendue d'herbe avec le ciel et des nuages en format paysage. C'est simplement l'écran titre du jeu, hein, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. À part qu'il n'y a pas la Monado plantée en plein milieu, il n'y a pas les débris méconites, il n'y a pas le appuyer sur start, hein, mais c'est tout. Voilà, c'est l'écran titre du jeu, simplement. C'est assez sympa qu'il l'ait implémenté comme ça, en sorte de mini easter egg. Voilà. Donc ça, c'était le bonus. Donc on va reprendre le fil de la vidéo. Donc... Nous allons passer aux équipements charmants. Alors je ne les ai jamais vus, hein, donc je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Enfin, j'ai juste regardé comment les choper. Donc il faut... on les obtient à travers une quête de la colonie 9.
qui nous est proposé par le colonel ou le non le enfin le comment on appelle ça, et militaire là, je sais pas, c'est la chef quoi des soldats. Voilà, donc moi je l'ai pas eu tout de suite. Apparemment il faut remplir un petit peu le sociogramme avant de pouvoir l'obtenir, hein, parce que j'ai dû faire pas mal de quêtes et parler à pas mal de PNJ avant qu'elle me la propose. Alors je crois que ça c'est la quête de mer de retrouver Miller, voilà simplement. Et donc vous voyez, récompense de la quête, eau charmant, short charmant et souliers charmants. Donc on va accepter, voilà. Alors là on va aller chercher directement cet imbécile de Miller que j'ai déjà trouvé tout à l'heure. Moi, bon, il est pas spécialement difficile à trouver, hein. Il suffit d'explorer un petit peu partout. Voilà. Voilà, maintenant retourne voir la. C'est la capitaine, je crois, son grade. Capitaine et militaire, si je dis pas de bêtises. Parce qu'après, vers la fin du jeu, on a des quêtes. Le défi du capitaine, le retour du capitaine et des trucs comme ça. Donc ouais, elle doit être capitaine et militaire là. Voilà. Donc là, on a ramené 1000 euros au camp et en plus, ça me fait gagner des points de compétences, c'est bien. Enfin, de sociopathie, on va dire. Voilà, donc là, elle m'a offert les 3 équipements charmants. Apparemment, ils ne sont pas gémés. Bon, ça, c'est pas très grave. Allez, pour la peine, on va aller dans un endroit qui est beau. Alors, j'allais dire ici, mais on peut pas parce que ça va déclencher la cutscene avec Shulk. Donc on va dire ici, allez. Là voilà, en plein milieu, comme ça tout le monde pourra nous voir. Ce sera très bien, avec une bonne musique en plus. Alors on va se mettre là, par là, on est pas mal. C'est parti pour l'essayage. Alors je pense que ce sont des équipements légers, hein, normalement. Alors, eau charmant. Non, les gants, il n'y a rien. Short charmant. Et souliers charmants. Alors je crois pas qu'il y ait de haut, de tête charmant. J'ai pas trouvé. Je sais qu'il existe un bracelet. Alors là, je l'ai pas. Donc les lancelots. Il existe un bracelet, mais en fait c'est juste un petit bracelet tout pourri. Et ça s'appelle le bracelet ravissant. Je crois qu'il faut faire une quête de la colonie neuf aussi, mais je l'ai pas encore débloqué. Il me semble pas que je l'ai. Je vais regarder vite fait, mais il me semble pas. À moins que ce soit dans cette quête là. Non, ouais, j'ai même pas de récompense. Super. Ah, c'est marrant, ils me disent pas quelle récompense ils vont me donner. C'est bizarre. Enfin bref, là j'avais complété toutes les autres quêtes, donc apparemment c'est pas ça. Enfin bon, c'est pas grave, voilà. Voilà donc la Fiora en mode charmant. Voilà, donc avec un haut assez joli, c'est vrai. Avec de belles couleurs, un petit peu bonbon, j'ai envie de dire. Rose bonbon, là c'est... C'est pas mal. Avec un espèce de short en dentelle, là, c'est très joli. Bon, les chaussures, voilà, c'est des sandales à la romaine un petit peu, c'est assez étrange. Et puis voilà. Bon, c'est vrai qu'elle est mignonne comme ça aussi. Hein. Avec des espèces de colliers, avec un petit ruban au milieu, là. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est fini. Donc, mais voilà, c'était les essayages de Fiora. Donc, ben dites-moi laquelle vous préférez et pourquoi, voilà, simplement. Mais c'était juste une petite vidéo délire pervers, comme ça. Puis, voilà, donc, je suis enfin en vacances. Donc, ben je vais continuer à faire des vidéos de Monado dans les jours à venir. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis salut et à la prochaine. Ouais, bon, c'est encore moi.
Ça me démangeait de pas avoir fait la vidéo entièrement. Donc voilà, on va débloquer aussi le bracelet ravissant pour finir, hein, pour avoir le set complet. Il faut parler à Monsieur Rocco qui était encore très jeune à l'époque, il n'avait que 7 ans. Il a bien changé depuis. Voilà, donc il a cassé le pendentif de son papa, de sa maman. Donc il faut trouver quelqu'un. Voilà, monture fumée et bracelet ravissant. Monture fumée, il me semble pas que ce soit associé à la tenue charmante. Il me semble que c'est le costume de plongée plutôt, monture fumée, non? Enfin bon, on va voir. Voilà, donc il va nous donner la quête, voilà. Pendentif cassé, donc il faut aller chercher... Dean, il s'appelle, je crois. Je connais pas le nom des PNJ par cœur, mais celle-là, je me souviens que je l'avais préparée. Il est en train de rentrer chez lui, j'ai eu de la chance. Pardon? Il m'a dit quoi, là? Donner le pendentif cassé à Dean. Oh, l'enfoiré! Oh là 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 là! Bon, ben... Je suis désolé, on va mettre un peu de temps, mais bon. Il ne veut parler qu'à Shulk, raciste. Bon, ben du coup, on va doubler la durée de la vidéo. Je suis désolé de... J'aime bien faire mes vidéos en freestyle, mais que ce soit brouillon à ce point, j'aime pas trop. Mais le problème, c'est que je voulais la recommencer, sauf que j'ai sauvegardé. Et du coup, j'ai déjà obtenu l'équipement charmant, du coup, ça, je peux pas recommencer la vidéo depuis le début. Du coup, on va faire ça de manière totalement dégueulasse, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai envie de dire, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude. Voilà, on va passer la cutscene vite fait, parce que ça spoil. On en a au moins 5 minutes de jeu, donc attention, ça spoil. Voilà, alors là, je crois qu'il va falloir que je mette Shulk en tête d'équipe parce que je crois qu'il veut pas me parler tant que je suis. Tant qu'il est pas en premier dans l'équipe. On va voir ça. Je ne rends service qu'aux gens de ma profession, d'accord. Et là, t'es content? Voilà. Donc là, on peut retourner voir Dean. Rocco. Téléportation, ça c'est vachement pratique. J'ai bien peur qu'il l'ait enlevé dans X. Là, normalement, c'est une quête, c'est une suite de quêtes où en fait on va arranger Dean avec la mère de Rocco. C'est. J'ai envie de dire, on s'en fout, mais bon, voilà. Alors là, on a obtenu des équipements gemmés cette fois, donc ça peut être intéressant. Alors là, juste voir monture fumée, mais normalement, c'est des. C'est pas fait pour ça. Hein. Parce que là, avec des lunettes, je vois pas en quoi elle serait charmante. Hein. Du refumé, ouais, bof. Ça fait maîtresse d'école, j'aime pas trop, moi. Et bracelet ravissant. Ah oui, en effet. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Oh là là, elle a mis un bracelet blanc, attention, ça rigole plus. Voilà, donc 4 minutes de vidéo bonus juste pour un bracelet blanc, c'est génial. Allez, à la prochaine.